Il faut marcher un kilomètre. C'est la première fois que je vois un grand quai. Un quai immense comme ça. Un quai, il y a des parachutes, il y a des trucs. Il y a des voitures, il y a des jet skis, il y a des voitures sous l'eau. Il y a tellement de choses. Bon, il y a plein de choses, plein d'activités à faire à Dubaï. Ouais. Des voitures qui roulent sous l'eau, des Ferrari, des Lamborghini qui roulent sous l'eau. Hein? Il y a plein de choses là-bas. Donc, il faut marcher un kilomètre pour aller sur le bateau parce que le quai il est immense. Il y a trop de bateaux là-bas. Hein? Il y a trop de bateaux. Donc, on marche un kilomètre. Arrivé près du bateau, on nous a accueilli comment? Petite claquette dans les pieds, tapis rouge. Petite claquette dans les pieds, tapis rouge. Il y a un petit buffet, il y a des bouteilles de champagne, il y a du vodka, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des gonzesses. Sur ce bateau, tout le monde doit être foncé. Hein? Avec Julien, c'est que des culs secs. Il y a des meufs, là les meufs. C'est pas les meufs que tu vois à Paris là. C'est pas les mêmes meufs. Ça, tu peux dire ça, c'est des meufs ultra capables. Je mets le mot ultra parce qu'elles sont vraiment ultra capables. Tu vois, il y a des hommes capables, des femmes capables. Mais ça, c'est des femmes ultra capables. Tellement elles sont capables, il n'y a même plus de place. Elles sont trop capables. On arrive là. Eh frère, on dirait que des Américains. Si t'es une personne qui tient pas ta bite, hein, tu peux vite passer à l'action. Du coup, c'est que des étrangers, tu vois, des gens dans différents pays. Il y a Malte, il y a deux pays que je retiens même pas, tu vois, que voilà, j'ai même pas retenu le truc. Dans le bateau, c'était excellent. Sur le bateau. Julien, il a vraiment frappé fort. Qui veut dire, arrivé dans le bateau. On a du barbecue. Il y a tous les plats du monde. Hein, tu vois, tous les petits fours, tout ce que tu veux. Il y a tout. Il y a de tout sur le bateau. Salade, tout ce que tu veux. Sur le bateau. Il y a tout. Tu peux danser, tu peux. Ah! C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. C'est du lourd. Julien a frappé fort quand je te dis. Il a frappé. Hein. Il a vraiment frappé fort. Mais si, je suis déjà de retour, frère. J'étais pas parti en vacances, mon gars, frère. J'étais parti au travail, mon gars. Je vais pas rester pour la dernière soirée. Je vais plus rester encore. Mais non. Non, mais il n'y avait que des jolies femmes là-bas, frérot. Il n'y a que des jolies femmes là-bas. Et les femmes là-bas, elles sont prétieux. Prétieux qui veut dire que les ongles aux huiles. Épilation aux huiles. Le swag aux huiles. Maquillage aux huiles. Top des top. Elles sont très bonnes. Top des top. Non. Là-bas, c'est... Les gens ils sont au max. Hein. Top. Tu peux pas tester. Ce qui est bien avec les riches,
Elle ne fait pas comme ces femmes à Paris. Les femmes à Paris, ils n'ont pas un rond. Ils sont nia, 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 nia. Vous avez même pas d'argent. Vous êtes toutes personnes. Je te dis, elles n'ont pas un rond, mais elles se la jouent, ma belle. Nia, nia. Frère, là-bas, les riches, elles te parlent tranquille, dansent avec toi. Ils se régalent avec toi, ils rigolent. Elles sont, voilà, elles sont super fières là-bas. Je parle des vraies femmes là-bas, les vraies femmes qui sont riches, qui sont vraiment en place, qui sont. Elles roulent en Lamborghini, frère. Donc, cherche pas. Voilà, elles roulent dans des putains de bagnoles, frère. Elles sont vraiment en place, frère. Elles sont pas dans les manières. Tu vois les manières quand, par exemple, tu parles avec une femme, elle va te parler d'une manière, elle va faire des trucs de pédale, tu vois, des trucs de tébé là, tu vois le scénario là, tu vois qu'elles font là. Comme si elles font pas caca. Voilà quoi. Là-bas, les meufs, elles s'en battent les couilles, elles sont simples. Elles sont simples, quand elles discutent, elles sont simples. Elles te pensent, elles rigolent avec toi, normal, elles discutent avec toi. Si c'est possible, c'est possible. Si ça, c'est pas possible, il va te dire que voilà, elle est déjà prise, mais tout dans le calme. Tu vois, tout tranquille, elle va rigoler avec toi. Ça va bien. Mais ici, là, en France, là, elles ont même pas un rond, c'est clochard. Hein? C'est clochard, je dis ça, c'est clochard, elles ont même pas un rond. Quand tu viens. Elle va dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Mais je suis pas sûr, toi. Ils vont faire des manières, des trucs, tu vois. Ils vont essayer de te rabaisser, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça, là. Tu vois, là. Plus jamais je drague une femme en France. Ah ouais, ouais. Je te jure, les femmes en France font comme si elles font pas caca et elles ont pas un rond. T'as même pas un rond, frère. Tu te la racontes, mon gars, frère. Ah là là. Là, ça m'a motivé pour que je puisse changer de pays. Je pense que c'est qu'en France ça se passe. C'est qu'en France, hein, ça m'a motivé pour que je change de pays. Le pire, les femmes, elles ont plus d'argent que vous. Elles sont certainement plus fraîches que vous. Elles sont certainement plus bonnes que vous. Hein? Mon gars, allez aller à Dubaï, vous allez voir. Rien à voir, mon gars. La mentalité, rien à voir, mon gars. Les gens, ils se la racontent pas là-bas. Les gens, ils sont pas sur ça. Je te jure, les gens, ils se la racontent pas ça. Les gens, ils sont comme ça, chut, à plat. Non, il y a des femmes naturelles, il y a des femmes refaites. Il y a des femmes naturelles et il y a des femmes qui sont refaites. Il y a de tout, comme en France, comme en Guadeloupe, comme en Martinique. Il n'y a pas que de femmes qui mettent Bouddha, il n'y a pas que de femmes qui restent avec Bouddha. Voilà, c'est partout. En France aussi, il n'y a pas que de femmes qui ont fait Bouddha, qui ont fait quoi, qui ont fait vite. Hein. Mais il ne faut pas dire qu'elles sont tous refaites. Il y a des femmes qui vont à la salle de sport là-bas. Il y a des femmes qui sont bien, en pleine forme aussi. Voilà. Des femmes qui entraînent bien. Voilà, il y en a. C'est pas toutes les femmes qui sont refaites, c'est partout il y a des femmes refaites. Voilà, il y a des femmes refaites partout, c'est comme ça. Mais non, je suis pas une mannequin. Je suis pas mannequin. Pourquoi je suis mannequin? Mannequin de quoi? Hein? Hein? Il va voir ce qui. Ah oui, c'est sûr. J'ai mis la barre haute là, en tout cas. En tout cas, j'ai mis la barre très haute. Vous allez voir dans la série. Je sais pas quand ça sort. Hein. Je sais pas quand ça sort, mais ça promet. En plus, la troisième télé-réalité, ça promet vraiment. Et la France, c'est pas la France seulement qui n'est pas prêt. C'est les gens qui vivent en France qui sont pas prêts aussi. Les gens, ils sont trop dans le paraître pour rien.
total, il m'a donné une montre, je lui ai remis sa montre. J'ai dit non, la montre c'est trop cher cette montre. J'ai dit tu vas faire autre chose pour moi. Je lui ai remis la montre, je lui ai dit il va faire autre chose pour moi. Tu sais ce que tu vas faire pour moi? Ça va me faire exploser franchement à l'international. C'est ce que j'ai besoin. Je vois le temps d'acheter des montres, des trucs comme ça, en ça venir le monde là. Il te dit ah quoi bon prends ça, capitaine, parce que ils ont fait, ils prennent ça, capitaine, mais on pas penser après, tu vois. Donc je lui ai dit non, je vais exploser à l'international. Donc ce que tu vas me faire, voilà, je veux du lourd, voilà, je veux du très lourd, je vais exploser, je vais me faire connaître à Dubaï, je vais tout péter, je vais tout rafler. Déjà ça, déjà commencé, on est en train de préparer la chose, je vais remonter là-bas bientôt. Et je vais faire mettre mon truc, mon logo, mes trucs de tatouage sur le truc. Si vous asseyez aussi, c'est à New York, c'est à New York qui est sous le truc là. Comment ça s'appelle le grand truc là, à New York là? Le truc là où on met la publicité là, tu vois, le truc là, qui est en hauteur comme ça là, comment ça s'appelle? Le truc qui est comme ça, Times Square, non pas Times Square, je me rappelle pas, il y a un truc là, je sais pas si c'est à New York. On voit les trucs comme ça là, on voit ta publicité comme ça. Voilà. Non, et ma... Grand écran, Times Square. Non, ils m'ont donné un autre nom, hein. Billboard, mais non, je vais pas dire, mais ça l'a tout fait. Moi, franchement, c'est non, là, c'est pas moi. Tu le prononces mal, mais je sais pas. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis, il y a des gens, par exemple, il y a un clip qui va sortir, un clip d'Américain qui va sortir. Eh bien, il y a le truc qui va s'afficher en grand comme ça, en longueur, tu vois. Forbé, non, c'est pas Forbé. Empire State. Empire State. Pierce tête fait son truc là-bas. Burj Khalifa. Ah, voilà, c'est ça, Burj Khalifa. Voilà, c'est le grand truc là. Donc il va faire ça pour moi. Voilà quoi. Il y a plein d'autres choses, mais je vais pas vous dire tout maintenant. Combien d'argent tu dois prévoir là-bas pour aller à Dubaï? Mais tu veux faire quoi? Ça dépend de quoi. Est-ce que tu veux être en full power? Tu vois? Ah ouais, Burj Khalifa, ça, Dubaï, c'est pas ça. Burj Khalifa, c'est... Mais il n'y a pas de drapeau sur Burj Khalifa, frère. Putain. Ah là là. À New York, c'est pas Dubaï. Quand fait, moi, je dis pas aller là. Bon, je suis tellement excité aussi. Ah! Non, Burj Khalifa, c'est à Dubaï. C'est le grand truc, là. La tour Eiffel de Dubaï. Mais c'est pas ça. Je te parle à New York. Il y a le grand truc. Bon, ça pour une part, venons, c'est pas grave. Empire State. C'est pas le nom qu'on m'a donné. Voilà, Empire, c'est pas le nom qu'on m'a donné. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est grand bitch. Allez, joue que ça apparaît. En cas, mettez capture d'écran là. Et en cas, vous y basez. Boudoum. Bon, voilà. Comme ça, c'est réglé. Donc, on était où? Zora Stade de la Liberté. Ah ouais, non, c'est bon. Quand Bitena qui affiche un qui vous y basez, parce que c'est ok. Je me rappelle pas. Ah ouais. Donc, bon, pour les il y a une personne qui m'a demandé combien d'argent, 2 semaines au max, si tu veux faire 2 semaines, mets 15 000 euros dans ta poche. 15 000. 15 000 hôtels payés déjà. 15 000 hôtels payés. Voiture payée. Les 15 000 sont vraiment pour là-bas. Tu vois, qui veut dire, tu as déjà ton hôtel, tu as déjà ta voiture. Maintenant, tu as 15 000 dans ta poche pour les 2 semaines. Full power. Hein? Ouais, ou quoi mettre un bon 15 000 en poche, hein? Bien servi. Ah ouais, tu es bien servi même. Bon, c'est pas maintenant qu'il faut me demander. Il n'y a pas qu'à prendre mon live à moi encore. Ça finit ce bitin là aussi. Donc les gars, arrête de me faire des demandes. Je prends plus personne dans mes lèvres, je fais plus ça. On va pas mon ami encore. Voilà. C'est vraiment cher là-bas. Ultra cher. C'est cher. Avant d'aller là-bas, il faut une organisation. Il faut vraiment une organisation.
Il faut vraiment s'organiser là-bas. Il faut vraiment s'organiser là-bas. Très organisé parce que voilà, là-bas tout est payant aussi. Hein? Oui, taxi, ouais, pas tout ce que tu fais, c'est payant. Hein? Tout c'est payant, ça paye, mais c'est cher. Les putes même demandent comment 900 euros, 1000 euros des fois. Les putes, comment c'est, comment c'est 200, c'est 3000 dirhams, 3000 et quelques dirhams. Voilà, c'est des sommes comme ça. Je vais vous parler des putes. Donc, arrivé sur le bateau, hein? C'est le kiff. Il a fait venir des jet skis. Il a fait venir des jet skis sur le bateau. Ok, nous quoi faire la fête? On sur nos bourrés. Un Japon jet ski là. Un Japon jet ski. Hein? Nous quoi full up en mer là. Nous là, nous quoi pull up. Boudoum, boudoum. Ces formes là même aussi. Yo bien chad. Yo quoi jet ski là. Yo quoi pull up. Yo quoi. Zami, c'est la fête. Tout est filmé. Tout ce bitin a filmé, ces scènes-là, bordel là, les débats qu'elle nous fait, ça filmé. Tout bitin filmé, les amis. C'était bon bordel là. Tout ça filmé. Il y a des choses qu'on ne peut pas afficher sur internet pour le moment. On attendait la sortie. Donc ça va être vraiment full power. Full power, c'est vrai. Voilà. Ensuite, avec Jeanette, ça s'arrête jamais. Il nous a dit, tu sais quoi? Ce soir, tout le monde, on peut en soirée. Il s'est dit une croyance soirée, Timan. Putain, putain. Mais avant tout, on va au restaurant. Il s'est réservé en quatre grandes tables, amis. Grandes tables, amis. Amis, différents, ouais, ces amis. Hein, frère? On va penser que vous prenez toutes ces meilleures cuisiniers-là dans le monde entier et vous installez à Dubaï. La cuisine à Dubaï, mon frérot. Tu peux pas, mon gars. Mon gars, Bitina. Au mètre carré. La cuisine là-bas, frérot. Sima, c'est trop bon là-bas. Maman. Vous avez poisson, vous te dit, vous sortez. Vous prenez tout vivant, vous déposez dans l'assiette. Je te jure. Viande là. Vous te dit, tout vivant, vous déposez. Vous suivant. Dans l'assiette. Saumon là aussi. Tout vivant, vous déposez. Vous assaisonnez. Vous déposez dans l'assiette. Ça fraîche. Ça excellent. Ils ont récolté, ils ont pris toutes ces meilleures cuisines là dans le monde entier, ils ont déposé à Dubaï. Je te jure devant Dieu, les gars. Ces oreilles là, ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Ouais, restons là, ça. Manger là, bon, ouais, là, il est bon. Ouais, là, il est bon. Ouais, tout partout, ouais, manger là, bon. Tu veux pas, voilà. Moi, j'ai qu'à faire restaurant là, voilà, parce qu'elle est bon là, on guette mon mou. Tu vas y. Mais c'est vrai. Il te prend pour moi. Mais tu vois, on fout de dire à moi, tiens. N'importe quoi. Où est à moi, où est à moi, où est à moi. N'importe quoi. Sans vivre l'argent. Un capé reste à la combien, un carré bol 500 dirhams, un carré bol 200 dirhams. Coquet maman, tu bailles. C'est vous êtes énervé moi. Ah pas nous, frère, pas nous. No money, no money. Ouais. Regardez, quand je dis, I don't speak English, no money, voilà. Ah, t'es fini avec eux. Voilà, terminé, pas avant chier. Bouga là, content, joyeux, je suis. Je te mens pas. Hein. Ah, je vais retourner très vite là-bas. Hein. Ah. Franchement, je pense que c'est là-bas que je dois vivre. Hein. Ah. Il y a tellement de business de Lamborghini. Hein. Ah. Tu peux avoir des voitures pas chères. Hein. Ouais.
No money, nigga! No money, nigga! Oh, stop ton kill, nigga! Stop ton kill, nigga! No money! Frère, no money, no cash! Frère, no cash! Ouais, je pense que je vais acheter un petit appartement. Pas un truc cher, un truc à. Ouais, 130 000 euros. Tranquille, un petit appartement. Je vais pouvoir tatouer dedans. Je vais pouvoir. Voilà. Je vais pouvoir aller là-bas, tranquille. Avec. Voilà, tranquille. Comme ça, je vais un petit appartement, tranquille. Je vais tatouer dedans. En attendant de construire les trucs qu'il y a à construire. Et puis voilà. Japon, on va voir Japon après. Non, les appartements sont pas chers. Ça dépend aussi. Pour de la tour Eiffel, c'est cher. Hein? Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, quand tu vis avec ton argent de France, ton argent d'Europe, l'euro. Frère, c'est la puissance, mon gars, frère. C'est la puissance. Et où la plus fort qu'il dit là, là. C'est la puissance, mon gars. L'on y l'a joué en euro. Maman, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Ouais. T'as capté, quoi. Ah ouais. Ah ouais, franchement. Kiff. En tout cas, arrivé dans la soirée, cul sec. Frère. Il y a qui vient? Il y a Manon qui vient avec toutes ses copines. Voilà, soirée au max, des Américains qui arrivent là. Frérot, les copines, maman, lourd, il y a des riches qui viennent là. Déjà, pourquoi vous ça? Si on gagne, même quoi, que ça ne rigole pas. C'est pas des tisons faites à la biclette. Ouais, à la biclette. Le truc est propre, le truc est raffiné, le truc est excellent. Ça va nous aller à l'air. J'en ai zonga ces femmes la fête, ça pas une celle forte. Monsieur, bite là au millimètre carré. Si zong là même tu vois que. Hein? Hein? C'est pas de la plaisanterie. Ah ouais? Lorsqu'on regarde des feelings là, coiffure là, chivi là, linge là. Ah ouais? Pas ni monde qui n'est pas ni linge comme ça en France déjà. C'est les vêtements qui sont là, il n'y a pas ça en France. Ah oui? Oui, frérot, c'est. Voilà, c'est niveau 7 même si vous. Maman, ça monte, mon. Les parfums, même qui n'y a pas là. Voilà, les parfums, voilà. Paris, c'est petit. Et ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises d'Américains là-bas. Qui veut dire des vêtements, des chaussures. Voilà, beaucoup d'entreprises d'Américains là-bas. On dirait que toutes les entreprises, ils fuient la France, ils vont là-bas dans d'autres pays. Qui veut dire les gens qui sont à l'étranger, les autres pays, ils veulent pas investir en France, ils investissent autre part. Là-bas, tu peux acheter une voiture en espèces, tu peux acheter une maison en espèces, tout se passe en espèces si tu veux, à carte aussi. Mais si tu veux, tout peut se passer en espèces. La France, ce sont des voleurs, ils n'aiment pas les Français là-bas, ils détestent les Français. Ah ouais, ils détestent la mentalité des Français, ils détestent le comportement, ils détestent tout, la vie. Ah, ils détestent ça. Quand je dis, quand on parle de la France, il y a quand même une tête à l'heure. Monsieur, on ne veut pas vraiment parler de la France. Je te jure, hein. Les étrangers, ils ne veulent pas entendre parler de la France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas entendre parler de la France, eux-mêmes. Même vacances. Hein, on va dire, moi? Ah, non. Parce que nous avons des bouts riches là. On va dire, monsieur, viens voir nous par Paname, il était comme moi. Il nous fait kiffer Tibra à 60 ans. Quoi? Non. Moi, je dis jamais. Il ne va pas mettre pied là. Bourra dit pas que j'ai mis tes pieds là. Bourra n'a raison. Arrivé à Charles de Gaulle pour récupérer la voiture, moi, on attend une heure. On va comprendre pourquoi il a détesté la France. Une heure pour récupérer la voiture, moi, en paye, puis il a gardé la voiture, moi, pour moi. Hein? Alors, on va venir récupérer votre voiture, on va faire attendre une heure, je suis censé venir chercher moi, mener moi chercher votre voiture, on va prendre une heure juste pour ça, on va comprendre, je le comprends, on va comprendre. Déjà, là, nous t'es longtemps, nous t'es 9 ans à l'aéroport là. C'est pas le même service.
à pas même service, ça même. Nous déjà habitués à un bon service, et là nous avons un service à clochard. Je te jure, nous déjà habitués à un bel service, c'est tout de suite, c'est tout de suite, c'est tout de suite. Là, là nous arrivons à l'aéroport, nous déjà rababés, moi avec vous, nous rababés. Il n'est que nous attendons pour nous chercher pour nous récupérer votre sien, nous frère. Eh frère, amis, pour nous pas venir, frère. Nous, crie madame, à rentrer, tu vois, madame, là, tu m'as dit, paye en rapé, oui. À rentrer, tu vois, c'est mon nom. Ah ouais? Ah ouais frère, c'est pas le même service. Encore qu'on comprend pourquoi il y a du test là. Niveau service en France, c'est pourri mon gars. Ah ouais, je comprends. Hein? Ah mon sang. Hein? Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est franchement, c'est pas pareil. Oui, voyage à Londres, vraiment, si bah, attends, belle 6h50. Bon. Ah, on va Canada, Miami, on j'avais fait Miami, Canada, ça va dire. Hein. Là, c'est soit Bali, hein, quand déjà, je vais partir à Malte, tatouer une femme là-bas, elle va prendre mon billet pour moi. Voilà, et puis voilà. Hein. Je vais visiter Malte en même temps. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Et puis voilà. Bon, on va parler de la soirée maintenant.